Salut tout le monde, c'est Arthel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais commencer mon premier playthrough solo sur Crusader Kings 2. Alors qu'est-ce que Crusader Kings 2? C'est un wargame édité et développé par Paradox Interactive, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Et bon, déjà je vous le dis de base, j'ai craqué le jeu, oui. Voilà, je ne respecte pas les développeurs, mais bon. Je n'avais pas 20 euros, ce qui coûte, je crois, il coûte 30, 20 ou 30 euros sur Steam, et j'avais la flemme vraiment d'aller de l'acheter. Enfin bref, on n'est pas censé parler de ça. Alors, Crusader Kings 2, pourquoi? Parce que je suis un très grand fan de jeux de stratégie. J'ai commencé par Medieval de Total War. Enfin non, mon tout premier jeu de stratégie, c'était Age of Empires, le premier. Et j'ai continué comme ça au fur et à mesure, et donc le jeu que j'ai aimé le plus, c'est Medieval de Total War. Peut-être même que je ferai quelques vidéos sur Medieval. Mais et puis ensuite j'ai découvert ce jeu Crusader Kings 2, qui n'est contrairement au Total War n'est pas un jeu spécialisé, enfin orienté vers le combat. Évidemment si, vu que c'est un jeu médiéval, évidemment que si on est censé faire la guerre. Et donc, contrairement à Medieval, on ne rentre pas dans la bataille, c'est plus un jeu de diplomatie. Diplomatie de guerre et tout ça. Alors, dans l'écran d'accueil, hein, rien de plus normal, un joueur multijoueur pour jouer en multijoueur sur la map, vous verrez tout à l'heure. Alors, le didacticiel qui est totalement buggé, les options, les crédits, etc. Donc, dans un joueur, vous allez voir que. Là, vous voyez la map. Et en haut à gauche, on peut voir les débuts historiques. Alors, il y a les anciens dieux. Cet onglet-là, c'est un onglet que j'ai obtenu grâce à, enfin, avec la version que j'ai. J'ai le DLC The Old Gods, donc les anciens dieux, qui nous permet de commencer, comme vous pouvez le voir quand je clique sur la Royaume indépendant, qui nous permet de commencer le 1er janvier 867 avec lui. On peut commencer avec n'importe quel personnage. Alors, ce type-là, c'est le petit-fils de Charlemagne. Donc, il est France, enfin roi de Francie occidentale. Et donc, ce mode-là est un. Et on peut jouer les païens avec ce mode-là. Donc, les païens sont ici la Norvège, Suède, Finlande. Ici, les Lituanie et tout ça. Et on peut jouer également les musulmans grâce aussi au voilà, l'épée de l'islam, Sword of l'islam, qui nous permet de jouer les musulmans. Et donc, moi, je vais commencer avec le duché de Provence, je vais vous expliquer pourquoi, mais pas en 867. Parce que, regardez, si on clique sur Royaume indépendant, ben, vous voyez tous les royaumes qui n'ont pas de suzerain. Il y a le comté. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, des comtés, plusieurs comtés forment un duché et plusieurs duchés forment un royaume. Donc moi je vais prendre donc, là en duc, hein, vous pouvez voir que en Europe il n'y en a pas tellement, c'est surtout ici, hein, donc les nations indépendantes ce sont des duchés. Et enfin les rois. Il n'y en a pas tellement. Alors moi je ne vais pas commencer avec les anciens dieux, non pas que j'aime pas ça, mais enfin j'ai préfère carrément start avec quelque chose que j'accroche. Les anciens dieux, j'aime pas trop parce que les païens sont vraiment peuvent vraiment faire la guerre à tout le monde et je suis pas très fan. Alors le pont de Stamford, je vais pas commencer là. Pourquoi? Parce que justement le pont de Stamford, c'est le début de la guerre de succession entre le duché de Normandie, donc entre William et le roi Harold de la maison Godwin. Donc si vous voulez connaître un peu le contexte historique de l'époque, ben c'est écrit en dessous, en bas à gauche. C'est écrit ce qui s'est passé exactement à cette époque-là. Alors moi je ne vais pas commencer au pont de Stamford. Je vais commencer par le signet Guillaume le Conquérant. Pourquoi? Ben tout simplement parce que Guillaume est devenu roi, pardon. Est devenu roi, et donc du coup
Là, on commence avec la vraie histoire. Parce que, alors que si on commence avec le pont de Stamford, vu que vous pouvez voir que Harold est en guerre contre le duché de Normandie et contre le royaume de Norvège, et ben le royaume de Norvège peut très bien gagner la guerre et devenir augmenter son enfin devenir roi d'Angleterre. Le roi de Norvège peut devenir également roi d'Angleterre. Donc du coup il contrôlerait tout ça et serait extrêmement puissant. Ce que évidemment je préfère éviter. Parce que je ne veux pas que que la Norvège devienne trop puissant qu'elle ne devrait l'être. Alors, mon duché de Provence se trouve dans le Saint-Empire, dans le Saint-Empire romain, pardon. Alors, pour voir les duchés, on clique là-dessus. Et voilà, le duché de Provence. Alors, mon objectif sera de devenir roi de Bourgogne. Donc, dans le royaume de Bourgogne, donc c'est le duché de Provence, le duché du Dauphiné, le duché de Savoie et le duché de Haute-Bourgogne réunis. Alors, il faut savoir que pour créer un duché, un royaume, pardon, il faut au moins contenir deux duchés de jure du royaume et avoir au moins 51%, 51% des domaines, des comtés du royaume. Bon, allons-y, hein, j'ai choisi Duc Bertrand de Provence. Vous pouvez voir les vassaux. Ma difficulté, mais bon, la difficulté. On peut très bien prendre par exemple le Saint-Empire, vous voyez que la difficulté est inutile, et un comté, qui est, enfin là on peut pas le jouer, voilà, très difficile. Mais pourtant je préfère moi commencer avec un comté parce qu'on a beaucoup moins de vassaux, c'est beaucoup, parce que vous allez voir que directement au tout début, le Saint-Empire va avoir des guerres internes, donc il va des soulèvements, des indépendants, ce que moi je vais évidemment pas faire vu que mon but c'est évidemment de créer le royaume de Bourgogne et donc d'avoir d'être le plus longtemps possible sous la couronne du Saint-Empire pour être protégé. Et donc ensuite, dès que j'aurai le royaume de Bourgogne et que je deviendrai assez puissant, je demanderai mon indépendance. Enfin, on n'est pas là. Et donc les religions, vous pouvez voir catholique, orthodoxe, Suomenusko, Tengri, sunnite, les sunnites ici, etc. Alors, c'est parti. Alors, mon duché de Provence, Bertrand. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu, hein, c'est pas très très palpitant vu que on ne bougera jamais de cet écran-là, hein, de cet écran de map. Mais honnêtement, vous allez vous rendre compte que ce jeu peut être vraiment très très intéressant. Peut-être pas forcément regarder, même si moi j'aime bien regarder, j'adore regarder même des vidéos de Crusader Kings 2. Mais en tout cas, à jouer, c'est vraiment vraiment génial quand vous comprenez un petit peu les bases, parce que ce jeu, j'ai oublié de le préciser, est quand même assez compliqué au début à comprendre. Mais vous allez voir que plus vous allez jouer, plus ça va être simple. Bien, alors on arrive dans le jeu, vous pouvez voir qu'on a une interface différente de d'habitude. D'avant. Alors en haut à gauche, on voit notre personnage. Si on clique sur sur son portrait, hein, on peut voir son suzerain qui est donc le Kaiser, sa femme, mon héritière qui pour le moment est ma sœur. J'ai une fille illégitime que j'ai eue avec ma femme. Qu'est-ce que c'est que c'est? What? Ok, donc peut-être que les amants sont devenus des femmes, enfin mariés. Je ne sais pas. Alors, je reclique sur mon personnage. Alors, dans vassaux, vous pouvez voir tous les vassaux qui sont. Je vais dire à ma botte. Je tape dans le micro, ça doit être assez dérangeant pour vous. Et l'opinion, c'est vraiment le plus important dans ce jeu, important. Parce que si moins vous avez d'opinion, plus ils voudront. De venir chercher leur indépendance ou essayer carrément de soulever de revendiquer votre place, votre poste, même si c'est pas un poste. Donc, ce que je vais faire directement, je vois qu'il y en a qu'un seul qui n'est pas content, enfin, et encore, il n'est pas content de moins un, ce qui n'est absolument pas énorme, et c'est mon cousin, pourquoi je suppose qu'il est prétendant au titre. Exactement, prétendant que j'ai une héritière, oui, il ne supporte pas que j'ai une héritière. Un court règne. D'accord. Bah, en gros, je vais le gracier, donc je clique sur le parchemin,
lui donner un cadeau pour voir que en haut à droite les